Bonjour à tous, bienvenue au centre social Lucie Aubrac. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons interroger les résidents de Kellermann pour savoir qu'est-ce qu'ils ont pensé du confinement. Je vous laisse avec la suite. Maladie, restriction, solitude. Pandémie, désastre, danger. Restez chez vous, confinement et distanciation. Maladie, pénible, isolement. C'est pas beau, c'est trop nul et c'est long. Lassitude, solitude, mal-être. Isolement, crise, maladie. Réussite inintéressante, dormir plus. Isolé, renfermé. Horrible, bien. Et nuit. Prison, solitude et douleur. Hella, long et puis maison. Maladie, solitude, prison. Alors, ce qui m'a le plus manqué pendant le confinement, c'est la famille parce que j'aime bien être avec eux et puis j'aime mieux les voir en vrai qu'en visioconférence. Et puis les promenades. En vélo parce que moi j'aime beaucoup les randonnées et ça m'embêtait de pas pouvoir en faire. Mon frère. Alors ce qui m'a le plus manqué durant le confinement, c'est ma famille puisqu'elle habite dans une autre région. La liberté, c'est ce qui m'a manqué le plus. Les sorties avec mes amis. Les amis. Le monde de la nuit quand j'ai mes sorties. Ce qui m'a le plus manqué, c'est le contact humain. La forêt. Oui, ce qui m'a le plus manqué, c'est le contact humain pendant ce confinement. Oui. La liberté. Ce qui m'a le plus manqué, c'est voir mes amis, je pense. Ce qui m'a manqué le plus, c'est la liberté. La famille et le sport. Ce qui m'ont manqué, mes cousins, mes cousines et mes amis. J'ai pas pu voir ma famille, j'ai pas pu voyager et je sors toujours avec la peur. En nuit, je vis dehors. Alors je pense que le fait que l'activité humaine est un peu ralentie, ça a permis aux animaux d'avoir une vie meilleure durant le confinement. Alors ce qui a eu de positif durant la crise, je dirais que déjà pendant le confinement, étant donné que nous étions tous confinés, le taux de pollution par l'homme a baissé. Faire des nuits blanches. Le positif aussi dans ce confinement, c'est que ça m'a permis de rencontrer, grâce à un petit dépliant dans ma boîte aux lettres, le médiateur du centre social, du CIOBRAC, et enfin d'avoir pu avoir des contacts humains. Oui. Durant le confinement, j'ai pu faire des grasses matinées et profiter pleinement de mes enfants. Terminer mes séries. Alors, le point positif de cette crise, c'est que les gens du peuple se sont beaucoup plus intéressés aux problèmes politiques, aux problèmes généraux et aux problèmes de tout le pays. J'ai bien aimé être avec ma famille. La solidarité. Et la nature qui a repris de l'oxygène. Rester dans le vide. J'ai appris plus de choses sur la nature. Et puis, je me couche comme si c'était le week-end. Peut-être que du coup, après ça, les gens font un petit peu plus attention au niveau de leur santé. Quand ils vont dehors ou qu'ils font des choses, pas toucher à n'importe quoi, etc.